je m'appelle Hind Sabri. Je suis de nationalité marocaine. Je suis anthropologue et chercheur associé au laboratoire LIRSES à l'Université Côte d'Azur. Je viens ici dans le cadre du programme Make It, FIAS, et je reste à Montpellier pendant 10 mois. Mon unité de recherche est GEO. Alors, mon projet de recherche porte sur le triptyque au pouvoir et patrimoine en Méditerranée. Quel modèle pour une gestion durable de l'eau d'irrigation? C'est une approche comparative entre deux modèles de gestion sociale et technique de l'eau d'irrigation, à la fois dans les terrains de l'arrière-péninsoire, les vallées de la Roya et de la Tinée, et une région aride du sud du Maroc, et plus précisément la vallée d'Orica située dans le Haut Atlas central. L'histoire des communautés sociales de l'arrière-pays niçois et du Haut Atlas central du Maroc est marquée par un patrimoine hydraulique très ancien. Les communautés se sont mobilisées pour la mise en place d'infrastructures hydrauliques, par l'instauration de règles et de pratiques sociales considérées comme fiables et adaptées aux contraintes du milieu naturel. Pour assurer la cohésion sociale, une organisation hydraulique est imbriquée avec une organisation sociale et territoriale qui permettent d'assurer la durabilité des systèmes d'irrigation. L'objectif de ce travail anthropologique n'est pas simplement l'appréhension des pratiques sociales et culturelles liées à la gestion sociale et technique de l'eau d'irrigation, mais à comment les communautés construisent leur territoire socio-hydraulique en rapportant ces pratiques aux inventions techniques et aux interactions avec les changements imposés et proposés par les services publics dans le cadre des politiques de développement. Donc l'objectif ultime de mon travail est de repenser la gestion durable de l'eau dans un contexte de vulnérabilité et de changement climatique. Mon choix de Montpellier et du programme Make It se justifie par le fait que Montpellier est un pôle international de l'eau. Mon projet, qui constitue un pont entre sciences sociales et sciences de la nature, entre parfaitement dans la politique de Make It, qui prône pour l'interdisciplinarité et la qualité scientifique de ses approches. Quelque chose de spécial sur moi, j'aime deux choses dans la vie. La première chose, grâce à mes études, j'ai pu voyager dans un certain nombre de pays qui m'ont permis de découvrir justement d'autres cultures. Donc cette acculturation m'a toujours intéressée. Et la deuxième chose, c'est la nature. J'adore les randonnées et je profite de mes recherches dans les zones de montagne pour pouvoir pratiquer ce sport.